Bonsoir, bonsoir, soyez bénis. Partagez le direct, s'il vous plaît. Préparez-vous à vivre un moment extraordinaire. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons vivre un petit moment prophétique. Nous allons vivre un moment de partage, un moment prophétique. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la force du lion soit avec vous. Je vais vous parler de deux sujets. Ça sera en même temps un moment de motivation et en même temps un moment de conseil. Et ça sera un moment de grâce particulière. Ce que tu vas recevoir ce soir sera une grâce pour toi, une bénédiction pour toi, pour tes jours à venir. Que l'Esprit de Dieu te fortifie, que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. J'ai fini mon partage. Faites le vôtre. Partagez le direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que l'Esprit de Dieu vous environne massivement. Permettez-moi de prier avant toute chose. Je voudrais te rendre toute la gloire, Père. Je voudrais te bénir pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour la force que tu nous donnes encore de pouvoir être devant toi. Daigne bénir, Seigneur, la vie de chacun de tes enfants. Et il y a une pluie de grâce, il y a une pluie de bénédiction qui est en train de se déverser. Et je sais que, Seigneur, tu as déjà sélectionné tes enfants à l'élévation, à la grâce et à la prospérité. Sois béni. Sois élevé, notre roi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire, peut écrire, le Seigneur me bénit encore ce soir? Je vais vous parler de deux sujets ce soir. Je vais vous parler de deux sujets très importants ce soir. Et après ces sujets-là, je vais prier. Je voulais vous exhorter. Et je voulais en même temps vous amener à une motivation. Moi, je suis coach. Je suis coach de vie.
Voilà, c'est ma fonction reconnue ici en France, coach de vie, et je suis serviteur de Dieu. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal, président fondateur du Myriad. Myriad qui veut dire ministère international du réveil, issu de l'accomplissement divin. Donc, je coach les gens, je les amène à pouvoir avancer, évoluer, et je leur donne des conseils pour pouvoir percer dans certaines choses. Je suis serviteur de Dieu. J'ai des fonctions que je ne vais pas énumérer ici parce que ça n'a rien à voir avec Facebook. Et ceux qui me connaissent, me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas vont apprendre à me connaître. Alors, ce soir, je ne vais pas m'étaler trop sur moi-même. Je vais aller droit au but. Je lis la Bible sans la comprendre. Alors, il faut sécuriser le direct, hein. Si vous voulez suivre des directs avec moi, il faut sécuriser. Hein. Si vous venez suivre les directs que vous êtes comme des handicapés, vous n'arrivez pas à liker, mettre des cœurs et partager, bon, ça c'est vous. Hein. Moi, je fais ma part de venir m'asseoir pour apporter ce qu'il faut. Et vous savez, comme tout le monde, que j'ai des ennemis, j'ai beaucoup de personnes qui sont touchées, malheureusement. C'est-à-dire qu'ils ont l'effet contraire de mes paroles, parce que mes paroles, au lieu que ça leur fasse du bien, ça leur fait du mal, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la vérité, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la vérité. Et donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient même plus me voir sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous venez sur les directs, je vous ai toujours dit que ma page a été plusieurs fois mise en restreint. J'ai une page qui a été piratée où il y avait des milliers d'abonnés. Cette page, ça ne vaut pas un an que je l'ai. Elle a été mise en restreint au moins 4, mais je ne sais pas si ça ne vaut pas 7 fois. Et elle est en restreint pendant un mois, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Jusqu'à là, ils m'ont limité le nombre de vues. Ça n'atteint même pas 50. Qu'il y ait des centaines de personnes qui cherchent à suivre le direct, ça n'atteint pas 50. Ça atteint pas, deux fois, ça ne dépasse même pas 30. C'est limité. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les notifications. C'est après le direct qu'ils voient qu'il y a un direct. Il y a même des gens, quand ils commencent à trop liker, d'ailleurs, je vous donne un conseil. Quand vous likez, ne restez pas collé à la touche. Likez un peu, faites une pause. Vous likez un peu, vous faites une pause. Parce que il y a des gens, quand ils se sont mis à liker, on les a aussi mis en restreint. Vous voyez? Donc voilà, c'est comme ça. La page est truc. Donc, quand vous venez de temps en temps, vous likez un peu, vous partagez beaucoup, vous likez un peu, ça permet de protéger la page. Mais si vous restez comme ça, sans rien faire, vous voyez, le direct a failli se couper tout à l'heure. Hein? Le direct a failli se couper tout à l'heure. Donc, protégez votre direct, c'est votre direct. Je suis là pour vous aider. Voilà. Et c'est même pas si il y a quelqu'un qui est plus détesté que moi sur cette terre. Moi-même, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Oh my God. Je ne savais pas à ce point-là que j'étais aussi important. Vraiment. Ah là là. Gloire à Dieu. Alors, je disais tout à l'heure que souvent, on peut lire la Bible. Beaucoup de personnes lisent la Bible sans la comprendre. Et ce soir, je voulais sortir deux choses très importantes. Deux choses très importantes pour vous aider. Je vais parler du pouvoir de la proclamation et je vais parler de ton prochain et toi-même. Je vais commencer par ton prochain et toi-même. Je vais commencer par ton prochain et toi-même. Partagez le direct. Vous allez prendre votre Bible dans Marc. Pour ceux qui ont la Bible et ceux qui peuvent écrire le passage. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Le verset 31. Marc chapitre 12, verset 31. On peut même lire le verset 29 aussi, si on veut. Mais le verset 31...
nous intéresse. Il est écrit, Jésus répondit, voici le premier. Bon, on va lire à partir du verset 28 pour que vous puissiez comprendre le texte. Mais c'est le 31 qui nous intéresse. Un disciple, un scribe du moins, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Continuez s'il vous plaît à tapoter de temps en temps le direct. Verset 31. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors nous allons nous appuyer sur le 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vais vous enseigner ce soir, je vais vous aider ce soir. Beaucoup de personnes ont lu ce passage sans le comprendre. Dans ce passage, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, c'est simple. Hein? Il est écrit d'aimer son prochain. De l'aimer comment? Comme soi-même. Je vais aller vite et je vais aller d'une manière rapide et d'une manière naturelle pour que tu comprennes. Je ne vais pas mettre trop de mystère. Peut-être que ça va sortir. Le passage dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que, mettez les cœurs. Allume-moi le répéteur là. Ils sont déchaînés sur ce petit direct là. Sauvagement déchaînés. Je ne sais pas si j'ai tué quelqu'un chez eux déjà. Peut-être qu'ils sont en funérailles parce que ma bouche a peut-être créé un problème chez eux. Je ne sais pas, mais... Tu m'as allumé le répéteur? Merci. Ok. On continue. Je vous dis que le direct est attaqué. Bon, vous avez les preuves. Moi, je continue juste mon direct. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, le premier commandement le plus grand, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est sur ça que je souhaite. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ont compris ce verset. Aime ton prochain comme toi-même. La Bible dit d'aimer son prochain comme toi-même. Donc, je m'en vais faire du bien à quelqu'un. Je vais faire des dons, je vais faire des offrandes, donc j'aime mon prochain. Non, ce que je vais ressortir de ce passage aujourd'hui, il faut bien l'écouter. Écoute-moi très bien. Je traduis le passage autrement. Je vais le traduire autrement pour que tu puisses comprendre. Ce passage veut dire, tu ne peux pas prétendre aimer ton prochain si toi-même tu ne t'aimes pas. Mettez les cœurs. Protégez le direct. Tu ne peux pas prétendre aimer ton prochain si tu n'as pas appris à t'aimer. Tu ne peux pas prétendre aimer la famille de ton prochain si tu n'aimes pas ta propre famille. Tu ne peux pas prétendre aimer les enfants de ton prochain si tu n'aimes pas tes propres enfants. C'est ce qu'on a qu'on donne. Aime ton prochain comme toi-même. Toi-même, tu ne prends pas soin de toi. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Toi-même, tu ne trouves pas que tu as de la valeur. Mais c'est ton prochain-là qui t'intéresse. Tu as déjà raté. La chose, c'est raté. Oh, est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais complètement éteindre ma musique parce que je n'ai pas envie de crier. Je suis un peu fatigué. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire de la manière que tu t'aimes là. C'est comme ça aussi que tu vas aimer. Mais si tu ne t'aimes pas, tu te lèves le matin, oh, moi-même là, je souffre, je suis maudit, oh, je ne vais jamais m'en sortir, oh, ma vie ne va jamais avancer, oh, c'est ceci, c'est cela. Tu n'as même pas envie de te regarder dans le miroir. Mais quand tu es devant ton prochain, hey, ma soeur, ça va, tiens, oh mon frère, ceci, Dieu dit tu es hypocrite. Ça me fait penser à des pères de famille, à des mères de famille, à des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, mais qui passent leur temps à s'occuper des gens au dehors et des enfants des gens au dehors, tout simplement pour que les gens disent qu'ils sont bons. Il y a des parents comme ça. Leurs propres enfants, leur propre famille est dans les besoins. Ils ne peuvent rien faire pour eux, mais au dehors, là, tout le monde dit qu'ils sont bons. De toute façon, il donne facilement au dehors. Il fait beaucoup de choses au dehors. Juste tout ça pour avoir un nom. Écoute-moi aujourd'hui. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que je m'aime? Tu as le droit de t'aimer, ce n'est pas de l'orgueil. Tu as le droit de te regarder dans un miroir pour dire je suis beau, je suis belle. Si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne viendra te donner de la valeur à ta place. Si tu ne t'aimes pas toi-même, personne ne pourra t'aimer. Il faut que toi-même tu t'admettes, tu t'aimes. Il faut que toi-même tu t'acceptes pour que les autres aussi puissent t'aimer et t'accepter. Tu te trouves vilaine et puis tu veux que les gens disent que tu es belle. Tu te trouves moche. Et puis tu veux que les gens disent que tu es beau. Toi-même, tu te trouves pauvre. Et puis tu veux que les gens t'apprécient. Il faut que tu te donnes la valeur. Que tu te donnes de la valeur. Et puis je profite pour te dire que c'est ce que tu penses que tu souhaites qui va s'accomplir dans ta vie. Je peux continuer à aider quelqu'un. C'est ce que tu penses que tu souhaites qui va agir dans ta vie. La pensée est une des prières les plus fortes sur cette terre. Par la pensée, tu peux transformer tout dans ce monde. Par la pensée, tu peux transformer une histoire, une vie, une destinée. Si tu continues de te concentrer sur la prospérité, la richesse, que tu ne te laisses pas distraire, ça va te toucher. Il y a quelque chose qui te tient à cœur. Tu as toujours ça à cœur. Tu penses à ça. Ton esprit est captivé là-dessus. Ça va s'accomplir. C'est pourquoi il faut éviter de penser au négatif. En ce moment, il y a des gens qui m'amènent souvent des vidéos de certaines choses qui ne m'intéressent pas. Oh, telle personne en train de se disputer avec ça, telle personne dit j'ai à ça, donc moi j'ai répondu ça. Oh, regardez, mais il y a des vidéos qu'on m'envoie par Messenger, qu'on m'envoie par WhatsApp. La première des choses que je fais, c'est zapper. Pourquoi? Je ne regarde pas. Pourquoi? Ça va m'apporter quoi? Le temps que je vais prendre pour voir quelqu'un qui est en train de se défendre, se justifier, insulter quelqu'un, ou bien une autre personne va en train de répondre. Ils sont de... Bon, moi, quand je regarde, qu'est-ce que ça m'apporte comme nourriture spirituelle? Quand je regarde, qu'est-ce que ça m'apporte, franchement? Deux personnes en train de se clasher, l'autre a insulté la mère de l'autre, le père de... Ils sont en train... Et puis, on m'envoie ça. Bon, ça va m'apporter quoi? Pourquoi je vais me concentrer sur ça? Je suis en train de me concentrer sur comment telle chose va évoluer, comment ceci va être fait, les croisades, les guérisons, les miracles, la délivrance, de voir des morts ressuscités, de voir... Je suis en train de me concentrer sur comment est-ce que mes enfants spirituels vont avancer dans leur vie. Ceux qui m'ont déjà béni dans la vie, qui m'ont fait une offrande, qui m'ont soutenu, comment leur histoire va changer pour qu'ils sachent que je suis une terre fertile.
Et je suis en train de penser à telle personne qui prie pour tel sujet depuis longtemps qui n'est pas exaucé. Seigneur, et j'ai tellement de choses. Je n'ai pas fini de penser à ça. Je n'ai pas fini de penser à l'avenir de mes enfants, à tout ce que je veux. Et puis, je vais prendre mon temps à penser, à me concentrer sur quelqu'un qui dit, oh, toi, tu m'as donné l'argent. Non, c'est pas, je n'ai pas pris ton argent. Pourquoi tu dis que j'ai pris ton argent? Non, tu ne te rappelles pas la dernière fois, je t'avais dit ça, tu as dit ça. Oh, c'est entré, c'est sorti. Oh, ça. Mais ça m'apporte quoi? Rien. Ça me vide. Mon énergie, mon temps. Et il y a des gens qui aiment perdre leur temps comme ça. Même regarder sur les réseaux sociaux. Il y a des vieilles, des vieux, des mamans. Je ne sais pas, qui ne savent plus qu'est-ce qui est important dans leur vie. Leurs enfants ont besoin d'eux. Leurs petits-enfants ont besoin d'eux. Et d'autres même sont à la retraite. Ou d'autres même préparent leur départ de ce monde. Au lieu de se concentrer sur des choses importantes. C'est, hey, pourquoi tu m'as dit ça? L'autre dit, oh, tu m'avais dit ça, mais c'est parce que je t'avais dit. Quand j'avais dit ça, c'est qu'ils perdent leur temps. D'autres me viennent s'asseoir, prendre leur caméra. Oui, la fois passée, quand j'étais passé là, l'autre avait dit ça. C'est quand il a dit ça que l'autre a dit ça. Et puis j'avais dit ça, mais il a dit ça. Mais moi, je sais qu'il a dit ça. Mais ça va m'apporter quoi? Comment même peut-être une vidéo qu'on a pour dire, oh, regarde, telle personne a en train de dire ça à l'autre. Je vous donne cette parenthèse pour vous dire. Les temps sont difficiles, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur ce qui va vous apporter la valeur. Concentrez-vous sur ce qui va vous élever. Votre âme a besoin, votre esprit a besoin de se nourrir. Des choses qui vont vous aider, pas des choses qui vont vous distraire. On a déjà la télé, on a des vidéos là, pour rigoler de temps en temps. Avant-hier, j'ai passé mon temps à me déstresser. Avec la petite la chanson de notre petit frère là, Poulet devient quelqu'un. Bon, c'était une manière de me déstresser un peu, une manière de, voilà, de ne pas être trop sérieux, de souffler un peu. Il y a des moments comme ça, tu as envie de souffler, passer à autre chose. Ne pas trop, voilà, détendre tes nerfs. Bon, ça passe. Mais allez me concentrer sur des problèmes inutiles qui vont bouffer ton énergie, ton temps, tu vas avoir même des maux de tête pour ça. Ça t'apporte quoi en fait? Tu as fini de te concentrer sur l'avenir de tes enfants? Tu as fini de te concentrer sur ta promotion? Tu as fini de te concentrer sur les projets que tu as dans le cœur? Tu as fini de te concentrer sur des choses qui vont t'apporter de la valeur, qui vont changer ta destinée? Ne te concentre même pas sur tes ennemis. Oh yeah, tu m'entends? Ne te concentre même pas sur tes ennemis. Oh, il y a quelqu'un qui m'entend là, ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu ce que j'ai dit? Ne te concentre pas sur tes ennemis. Si tu as 1000 ennemis, que tu vas te concentrer sur 1000 ennemis, oh là là, tu creuses ta tombe. Ne te concentre pas sur ceux qui ne t'aiment pas. Ne te concentre pas sur ceux qui sont jaloux de toi. Ne te concentre pas. Avant, si vous avez remarqué, je prenais mon temps sur Facebook à répondre aux gens. Si vous avez remarqué avant, je prenais mon temps à venir insulter même des gens pour les prouver que je ne suis pas content. Si vous avez remarqué, je prenais même mon temps à répondre à tous les commentaires qui allaient m'insulter, à toutes ces choses-là. Je prenais mon énergie. J'ai même un moment fait des directs spéciaux pour quelqu'un qui a dit quelque chose que je n'ai pas aimé. Je suis venu m'asseoir, faire un direct spécialement pour la personne. Ça m'a apporté quoi au fait? Ça m'a enrichi ou quoi? Ça m'a apporté quoi? L'élévation? Je pense plutôt que ça a apporté le ridicule. Je pense plutôt que c'était de l'énergie gaspillée, du temps gaspillé. Est-ce que quelqu'un, il y a quelqu'un qui veut participer? Je ne sais pas si c'est réel, qui veut participer au direct. Je vais essayer de voir si je peux.
permets. Voilà. Tu peux décliner comme un truc, mais moi, je ne sais pas. Je vais tester ça. Je vais te dire une chose. Ne pense pas, même à tes ennemis, ne pense pas à eux. Tu as des soucis aujourd'hui. Tu as des problèmes encore. Rien n'avance dans ta vie. Parce qu'au lieu de prendre ton énergie pour penser à ce qui est bon, tu dis, je cherche du travail. Mais il faut prendre ta pensée pour aller dans le lieu où tu veux travailler. Il faut te voir dans le bureau déjà. Il faut essayer de vivre une journée de travail dans ton esprit. Tu es en train de travailler, tu es en train de faire ça. Tu t'imagines une scène comme si tu es en train de préparer un scénario pour un film. Mais c'est toi qui es en train de vivre ça. Dans ta pensée, je veux me marier, mais vois-toi dans ton couple. Ce n'est pas le fait de dire, oh Seigneur, je veux me marier. Vois-toi dans le couple. Quand tu marches, oh chérie, tu attrapes la main de ton mari. Oh chérie, sois le bienvenu du travail. De fois que quelqu'un te voit de passage qui dit, mais attends, elle est folle, il est fou celui-là. Ta manière d'agir, on a l'impression que tu vis quelque chose que les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas. Même dans ta chambre, sur ton lit, tu as prévu la place de ta femme ou la place de ton mari. De fois, parle un peu à l'oreiller. Parle à l'oreiller comme si c'était ton mari qui était là ou ta femme. Comment tu vas, chérie? Là, ça a été la journée. Ah, je t'aime. Non, non, non. Bon, tu vas croire que tu es bête, mais tu n'es pas bête. Tu es en train de construire quelque chose. Tu es en train de construire quelque chose. Le temps que tu vas prendre pour penser à tes ennemis, de ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font. S'il doit se promener chez 10 marabouts, ton esprit va aller avec lui chez les 10 marabouts. S'il doit aller chez 20 féticheurs, ton esprit l'accompagne chez les 20 féticheurs. Après, tu es étonné qu'on t'a eu dans la sorcellerie. Tu es étonné qu'on t'a eu dans quoi que ce soit. Non! Quand le marabout est en train de consulter, qui ne te voyait pas, qui se dit, mais tu parles de qui, il est où? Je ne le vois pas, je le cherche, je ne le vois pas. Parce que ton esprit n'est pas avec la personne. Tu as des anges pour te défendre, tu as des anges pour combattre pour toi. Tu as le Saint-Esprit qui lutte en ta faveur et tu as Dieu qui te protège. Tu veux perdre ton temps à avoir un radar dans tes yeux. Oh, aujourd'hui, là, ils sont en train de me passer au Burkina. Donc, tu es au Burkina. Quand tu quittes le Burkina, tu arrives au Togo. Oh, c'est qui là-bas, là, en train encore de quand l'ennemi, ça. Tu sors, tu finis le Togo, tu descends au Bénin. Oh, là, là, c'est qui ils font contre moi, là. Oh, je m'en vais au Gabon. Mais tu vas te promener avec ton esprit partout. Tu deviens, mais tu ne vas pas avancer. Concentre-toi sur ce que tu aimes. Concentre-toi sur ce que tu veux. Concentre-toi sur ce que tu veux voir accompli dans ta vie. Concentre-toi sur ce qui te donne de la valeur. Lève-toi et puis dis, je me vois riche. Et concentre-toi sur la richesse. Je me vois, je suis en train. Ne concentre-toi sur ce qui est bon. You know? Qui est là? OK. Tu peux me fermer la porte, s'il te plaît. Je n'ai pas bien fermé. Elle est encore à table, Kéké. Elle est où? Hein? D'accord. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'avant que je me lève pour aller aimer quelqu'un, il faut que je sois sûr que je me suis aimé moi-même, que je m'aime moi-même. Si je ne m'aime pas moi-même et je prétends aimer quelqu'un, c'est que je suis un menteur. Ça veut dire que pense d'abord à toi. Ce verset veut dire pense d'abord à toi. Pense à toi-même d'abord. Quand tu finis de penser à toi et que tu es sûr que tu as pensé à toi, pense maintenant à ton prochain.
Pense d'abord à toi. Excusez-moi. Kéké. Non. La petite. Elle a oublié déjà. Je n'ai pas fait son bisou. Passe d'abord à toi. Avant de prétendre penser à ton prochain. Je vais prendre un exemple bizarre. Quelqu'un qui ne se lave pas, yeah. Oui. Tu pries avant de dormir. Hein? Ferme la porte. Quelqu'un qui ne se lave pas et qui se lève, qui dit oui, je vais aller laver un clochard ou un SDF dans la rue. Mettez les cœurs, protégez le direct. Toi-même, tu es chez toi, tu prends 2 jours, 3 jours sans te laver. Tu ne te laves pas. Tu sens, tu pues. Et puis tu te lèves avec des habits, avec du shampoing, tout, tu es au dehors. Je vais aller prendre la douche à un SDF. Je vais aller. Mais toi-même, tu pues. Toi-même, tu sens. Lave-toi d'abord. Apprends à prendre soin de toi. Tu balayes pas ta maison. Ta maison est sale, chez toi est sale. Mais tu es tout le temps chez la voisine, tu dis que tu vas aller nettoyer chez elle parce que chez elle est sale. Mais tu es hypocrite. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De la manière que tu t'aimes, c'est de cette manière que tu vas pouvoir aimer quelqu'un. Donc, si tu n'apprends pas à t'aimer toi-même, tu n'apprends pas à prendre soin de toi-même, c'est-à-dire que tu ne te donnes pas de la valeur à toi-même. Mais tu ne peux pas aider quelqu'un. Tout ce que tu vas faire, c'est juste pour avoir les yeux sur toi. C'est hypocrite. C'est pour dire aux gens, regardez-moi, le m'as-tu vu, regardez-moi, c'est tout. C'est tout. C'est tout. En Noël, ou pendant une fête, ou pendant les anniversaires, tu n'arrives pas à faire de cadeaux chez toi à la maison à tes enfants. Mais pendant cette fête-là, ou ces moments-là, tu achètes des choses et tu envoies chez des amis, chez des voisins et tout, pour qu'on dise que toi, tu es bien. Or, chez toi, il n'y a pas ça. J'espère que vous comprenez un peu l'esprit dans lequel je vous envoie. Ce n'est pas une prédication d'église, c'est une motivation. Ça va très loin. Ce verset va très loin, même dans la prière. Y a des gens qui disent, je suis un intercesseur, je prie pour tout le monde. Toi-même là, est-ce que tu as aussi prié pour toi? Je jeûne pour le monde. Tu as pris le temps de jeûner un peu pour toi aussi? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Aime-toi. Quand tu t'aimes, tu auras la force et le pouvoir d'aimer ton prochain. Accepte-toi. Tu pourras accepter ton prochain. Prends soin de toi. Tu pourras prendre soin de ton prochain. Merci beaucoup, Myriade beaucoup. Mettez les cœurs parce que le direct bloque. Il y a des attaques sur le direct. Un thème comme ça dérange personne, mais les fils du diable, ils n'ont rien à faire. Ce sont les gens, ils sont concentrés, par exemple, sur moi. Je leur donne peut-être de la valeur, gloire à Dieu. Peut-être qu'en se concentrant sur moi, ça leur donne vraiment une joie de vivre. Mais moi, en tout cas, je ne les vois pas et je n'ai pas besoin d'eux. Donc, voilà. Mettez les cœurs, on avance.
Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un qui ne s'aime pas et qui prétend aimer ment. Je vais toucher le deuxième point pour compléter ce premier point. Le deuxième point, vous pouvez écrire 1 Samuel chapitre 17, verset 45. 1 Samuel 17, 45. Le deuxième point. Samuel 17, 45. Ah, moi qui avais des vues de milliers de personnes qui regardaient là, tellement la page en restreint, même 20, ça monte, 20, ça descend, 20, 22, ça descend. C'est intéressant. Hein? C'est une expérience que je vis. Ça me fait vraiment du bien. Au moins, je pourrais en parler un jour. Aïe, aïe. C'est bien d'être vacciné comme moi. Hein? Deuxième point. 1 Samuel 17, 45. OK. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Mettez des cœurs. Et il a dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains le pouvoir de la proclamation. Frère, je suis venu vous conseiller ce soir. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la pensée, qui est une prière, de voir positivement. De ne pas... Moi, je suis là, j'ai trop d'ennemis. Si je veux passer mon temps à penser à ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont en France, ceux qui sont dans tel pays, ceux qui attaquent ma page, ceux qui ont mis page en restreint, ceux qui vont voir les marabouts, ceux qui font voir les féticheurs, ceux qui font des incantations la nuit. Mais je ne vais plus vivre. Aïe! Je vais passer ma vie comme ça à penser aux gens. Oh, ils ont fait ça. Ils sont en train de faire ça. Oh, qui est derrière la page? Ok. Mais je ne vis plus. La meilleure des choses pour moi, c'est de les ignorer. De faire comme s'ils n'existent pas. Eux, ils ont eu du boulot. Ils travaillent. Leur boulot, là, c'est de s'occuper de ma vie. Je suis important pour eux. Moi, ils m'occupent de Dieu parce que Dieu est important pour moi. Eux, je suis leur Dieu. Je suis leur Dieu. Donc, ils s'occupent de moi. Quand c'est leur matin, je suis dans leur esprit. Quand ils vivent la journée, je suis dans leur esprit. Je suis leur Dieu. Sans moi, ils ne peuvent plus vivre. Donc, je leur donne l'occasion de vivre. Sans moi, mais moi, Dieu est tellement important pour moi. Mes pensées sont concentrées sur Dieu. Vous voyez? Donc, si je veux compter qui m'aime, qui m'aime pas, mes ennemis, qui a fait ça, oh, hier, qui a vu le marabout, qui m'a attaqué ma page, pourquoi ma page est en restreint, qui a fait ça, mes frères, je vais me tuer. Donc, je me lève matin, ma pensée, Seigneur, la gloire, mon élévation, ma protection divine, l'onction dans ma vie, les miracles dans ma vie, oh, je vais être multimilliardaire pour faire ton œuvre. C'est juste ça ma pensée. Ennemi, je ne connais même pas. Oh, sois béni, mon frère. J'ai un ange sur mon direct ici. Ah, sois béni, mon frère. C'est-à-dire que c'est sûr, ce qui va m'arranger, ma pensée est. Ce qui va me faire évoluer. Ce qui va. Donc, et je leur donne du boulot. Mais. Que tous tes ennemis, que tous mes ennemis sachent, moi personnellement, mes ennemis, qu'ils sachent que je suis leur Dieu. Que tous mes ennemis sachent que je suis leur Dieu. Ils m'adorent tous. En réalité, tes ennemis ne te détestent pas. Tes ennemis t'envient. En réalité, tes ennemis t'envient. Ils ne peuvent pas vivre sans toi.
C'est ce que vous ne savez pas. Hein. Si vous savez que vous étiez important aux yeux de vos ennemis, vous n'allez même pas chercher même à faire des histoires. C'est-à-dire que vous êtes important. Quelqu'un qui se lève matin net, il pense à toi. Il est en train de se laver le visage, il pense à toi. Il se brosse les dents, il pense à toi. Il est en train de manger, il pense à toi. Il est avec sa femme ou bien son mari, il pense à toi. Il est au travail, c'est à toi qu'il pense. Mais tu es devenu son Dieu. Tu es devenu son Dieu, tu es trop important pour lui. Je suis aujourd'hui le Dieu de beaucoup de personnes. Il y a des personnalités, il y a toutes sortes de personnes, même des religieux, des pasteurs. Il y a beaucoup de gens, je suis leur Dieu. Je ne les connais pas, moi personnellement je ne les connais pas. Mais eux, ils me connaissent. Je ne m'occupe pas d'eux, mais eux, ils s'occupent de moi. Je suis leur Dieu. Ils ont des pages que je ne regarde pas, mais ils sont concentrés sur ma page. Comment ils vont attaquer mes directs, comment ils vont mettre en restreint, comment ils vont faire ceci. Mais je suis leur Dieu. Si tu comprends ça, des fois tu vas louer Dieu d'avoir des ennemis. Tu vas comprendre que tu es important. Un arbre qui ne porte pas de fruits, personne ne va s'en occuper. Il y a deux choses que l'arbre doit avoir. Le fruit et, comme on appelle, de l'ombre, pouvoir donner de l'ombre. Mais un arbre, on ne peut pas s'asseoir en bas pour se cacher du soleil, pour avoir de l'ombre. En même temps, il ne porte pas de fruit. C'est qu'il ne sert à rien. Mais l'arbre qui donne de l'ombre et qui porte du fruit, tout le monde va vouloir s'approcher. Mais ceux qui s'approchent là, souvent, il y a d'autres qui sont méchants. Il y a des gens qui viennent avec une machette, il va blesser le tronc de l'arbre. Il y a l'autre même pour cueillir le fruit, il va prendre un caillou. D'autres, il prend un bâton. D'autres grimpent, mais ils maltraitent l'arbre avant d'avoir le fruit. D'autres finissent de manger le fruit, mais en partant, il va blesser l'arbre quand même. Mais l'arbre reste toujours l'arbre qui porte le fruit et qui donne de l'ombre. Tu es un arbre béni. C'est pourquoi les gens vont s'occuper de toi. Quand tu es dans un travail, tout le monde t'envie. Quand tu fais quelque chose, tout le monde t'envie. Si on ne te voit pas, on n'est pas content. Et quand on te voit, tu donnes du travail aux gens. Tu donnes du travail aux gens. Oh, elle est là encore. Il est là encore. Regarde sa chaussure. Elle se prend pour qui? Il se prend pour qui? Elle croit que quoi? Il se prend pour quoi? Oh, ceci, cela. Tu as de l'importance. Comprends bien ça. Donc, concentrez-vous. Vous, c'est la première partie qu'on vient de laisser. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte de la valeur, ce qui va vous faire évoluer. Laissez les ennemis de votre quartier, vos voisins ennemis, vos ennemis de ceci. Laissez-les, c'est leur vie, leur business. Vous êtes important pour eux. Ils vous célèbrent en vous détestant. Ils augmentent vos jours en vous détestant. Ils vous rendent important, encore plus important aux yeux de Dieu. En vous détestant. C'est vous qui ne savez pas ça. Ils ne peuvent rien vous faire. Parce que de la manière qu'ils vous détestent là, s'ils pouvaient vous faire quelque chose, vous ne serez plus en vie. Leurs marabouts ne peuvent rien vous faire. Leurs féticheurs ne peuvent rien vous faire. Parce que s'ils pouvaient le faire là, vous ne serez même pas en train de respirer aujourd'hui. C'est d'ailleurs parce qu'ils ne peuvent rien faire que physiquement, des fois, ils vous provoquent. C'est parce qu'ils ne peuvent rien faire que vous voyez, des fois, ils vous regardent mal. C'est parce qu'ils ne peuvent rien faire que deux fois, ils sont obligés de vous parler mal, en croyant que ça va vous faire mal. Si ils ne peuvent rien vous faire, ils ne peuvent rien changer dans votre vie, ils ne peuvent pas vous tuer. Sinon, vous ne serez plus vivant parce qu'ils vous détestent. Comprenez ça bien. Donc, souvent même, devant les ennemis, souriez. Votre joie, ça fait plus mal à vos ennemis que votre tristesse et votre colère. Quand tu es en colère, quand tu es triste devant l'ennemi, tu es en colère. Pourquoi tu m'as fait pas? L'ennemi est content, il a la force. Il dit, je l'ai eu. Mais quand tu es heureux, quelqu'un suit ta mère, tu dis merci beaucoup, que Dieu te bénisse. J'ai remarqué même sur Facebook, il y a des gens qui me laissaient un mot. Avant, comme je répondais, en ce temps, il y a des gens qui m'insultent, qui laissaient des commentaires. Je ne réponds pas. D'autres, même, je fais vu, ignoré. Je fais comme si je ne l'ai pas vu. Je ne supprime pas, je ne les bloque pas, je ne m'en occupe pas parce que ça ne me fait ni chaud ni froid. Et puis, il y a d'autres aussi, quand ils laissent leurs commentaires, si je veux répondre, je dis que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Pourtant, il est venu m'insulter. Je vous dis que ça leur fait très mal parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Ça leur
fait très, 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 très mal. Donc, apprenez ça. En tout cas, moi, j'ai plus le temps de me faire. Vous me connaissez. Atia normal, celui qui gainzin là, qui rentre en haut et puis descend là, c'est moi. C'est moi qui suis en train de vous parler aujourd'hui. Hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Deuxième point, le pouvoir de la proclamation. Beaucoup de gens n'ont pas compris qu'ils ont deux choses très importantes, très puissantes dans leur vie. Le pouvoir de la pensée et le pouvoir de la proclamation. Tu as deux choses. Si tu arrives à maîtriser ces deux choses, frère, quel que soit le désert dans lequel tu te trouvais, ta vie peut changer. Apprends à canaliser ta pensée sur ce que tu fais, à maîtriser le pouvoir de la pensée et apprends à maîtriser le pouvoir de la parole. Normalement, je vous ai tout dit là. David ne pouvait pas tuer Goliath si David n'avait pas détruit Goliath par sa parole. Il y a des choses que tu ne pourras jamais vaincre si tu n'as pas prononcé la parole de destruction. C'est pourquoi ne laissez jamais quelqu'un vous parler mal, vous maudire, vous faire des choses sans lui donner une réponse. Je n'ai pas dit de faire parler. C'est-à-dire que quelqu'un vient et puis te dit, tu es maudit. Même si tu veux, faut pas t'énerver. Dis-lui, tu te trompes. Je renverse cette parole. Je ne suis pas maudit. Cette malédiction retourne contre toi. C'est toi qui es maudit. Moi, je suis béni. Faut pas dire, oh, je ne parle pas. De toute façon, je m'en fous. Je ne parle pas. Mais il a sorti une parole. Quelle est la parole qui a renversé sa parole? On ne t'a pas dit de t'énerver, de faire parler. Mais on t'a dit, sors une parole qui va bloquer cette parole. Sors une parole qui va attraper et renverser cette parole. C'est tout. Donc, quand tu te lèves deux fois le matin, ce n'est pas toujours qu'il faut aller se mettre à genoux, Seigneur, donne-moi. Ça, tu es en train de demander. Apprenez à proclamer. Je suis béni, je suis prospère, je suis élevé. Et pendant que tu proclames, il faut penser à ce que tu dis et à ce que tu veux. Il ne faut pas le dire bêtement comme ça parce que tu dis des choses. Je suis riche, vois-toi riche. Je suis puissante, vois-toi puissante. Je suis grand, vois-toi dans cette grandeur. Je vis longtemps, imagine ta longue vie. Est-ce que je suis en train de vous aider ce soir? Il y a un pouvoir dans la proclamation. Les sorciers que vous voyez ne sont pas puissants. Ils déclarent des choses et les esprits prennent pour aller travailler. Le monde a été créé par la parole. La parole est un pouvoir. La parole est une force. Et d'ailleurs, la parole est un ange. Et la parole est vivante. La parole fait partie de Dieu. Je peux vous donner un rhéma. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était déjà humain. Mais on ne pouvait pas savoir qui est l'homme. La Bible dit Dieu a soufflé en l'homme. Il a mis quoi en l'homme? Sa parole. C'est lorsque Dieu a soufflé en l'homme, l'homme a commencé à parler. Quand tu parles plus, c'est que tu es mort. Même les muets parlent. C'est vous qui n'entendez pas ce que les muets disent. Les bobos là, les muets, ils parlent. Ils ont leur manière de parler. Il parle. C'est seulement que tu n'entends pas ce qu'il dit. La parole. Regardez, il y a des gens qui arrivent à dompter des lions, des crocodiles, des hippopotames, des panthères, des serpents par ces deux pouvoirs, la pensée et la parole. La pensée et la parole. Il dit, oh, quand je m'assois et puis je prends mon cœur, j'ouvre mon cœur comme ça, et puis je vous donne des messages comme ça, depuis même sexe sucré, il y a du miel, il y a tout dedans. Tout ce que je vous demande, c'est que Dieu te bénisse. Et si tu peux envoyer une offrande pour soutenir cet homme-là, faut le soutenir. Et puis, prie Dieu, que Dieu lui accorde longue vie
et plus de connaissances pour qu'il puisse s'asseoir et puis toujours te donner des belles paroles comme ça. Parce qu'il y a des gens, il y a des pèlerins sur la terre. Un jour, quand ils ne sont pas là, pour que Dieu les remplace, c'est compliqué. Et sans m'engager, j'en fais partie. Je n'ai même pas qui va m'aimer. C'est ça, les Ivoiriens disent, qui va se négliger? Qui va se négliger? Le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la parole. Voici les deux enseignements que je veux vous donner aujourd'hui. David est en face de Goliath, et puis David dit à Goliath, aujourd'hui là, je vais te tuer. Je vais couper ta tête pour donner aux chiens. Aujourd'hui là, on saura. C'est-à-dire que tout ce que David veut faire là, David a proclamé, David a déclaré, il a fini de tuer Goliath avec sa parole, avant de tuer physiquement Goliath. Remporte ta victoire avec ta parole avant de l'avoir physiquement. Remporte ton élévation avec ta parole avant de l'avoir physiquement. Remporte, faites beaucoup de proclamations. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas malade. Je suis élevé. Je suis prospère. Je suis guéri. Dieu est avec moi. Aucun ennemi ne m'atteindra. Aucun sorcier ne peut m'atteindre. J'ai vaincu les sorciers. Je suis à la tête. Je ne suis pas à la queue. Et il faut que ces gens de parole sortent de votre bouche. Faites-les sortir. Ne soyez pas timides quand il s'agit de proclamer pour vous. Dites des choses même qui vous étonnent. Ce qui a proclamé pour dire « Je suis multimilliardaire », tu n'es pas menteur. Même si tu n'as pas les milliards. Pense juste que ça vient et que tu vas les avoir. Je suis milliardaire. Bien-aimé, ce soir, je voulais vous donner ces cadeaux. Ceux qui viennent d'arriver pour le direct, vous pouvez revoir le début du direct. On a été un peu attaqué, il y a eu des petites coupures au début, mais le message est sorti quand même. Aime-toi avant de prétendre aimer ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le « comme toi-même » là, c'est la partie la plus importante de ce verset. Comme toi-même. Comme toi-même. La manière que tu t'aimes là, va aimer ton prochain. Non, si tu ne t'aimes pas, ne va pas dire « j'aime mon prochain ». Et j'ai profité pour parler du pouvoir de la pensée. De ne plus perdre son temps avec le négatif et de penser plutôt au positif et à ce qu'on veut. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui va changer ta destinée. Si tu crois que c'est en pensant à tes ennemis que tu vas les avoir, tu risques de mourir avant eux. Il faut les oublier. Laisse-les. Tu as de la valeur. C'est pourquoi des gens pensent à toi. Tu as de la valeur. C'est pourquoi chaque matin, tu te lèves. Il y a un ennemi. Demain, il y a un deuxième qui se prend. Après demain, c'est parce que ton étoile est trop grande. Tu as trop de valeur. Tu ne sais pas que tu as de la valeur, mais je te dis que tu as de la valeur. Quelqu'un qui n'a pas de la valeur n'est pas détesté. Quelqu'un qui n'est pas important, là, on ne parle pas de lui. Quelqu'un qui n'est pas important, il ne peut même pas avoir un ennemi, mais qui va s'occuper de lui? Qui va perdre son temps pour s'occuper de lui? Tu as de la valeur. Ils veulent te tuer, ils n'arrivent pas. Ils veulent te détruire, ils n'arrivent pas. Ils te tendent des pièges, tu sautes, tu t'en vas ailleurs. Tu as une valeur. Quand tu as fini avec tes ennemis, tu vois même tes ennemis, on dirait qu'ils se rassemblent, ils font une réunion pour se retrouver, mais quand ils ne se connaissaient pas, ils font association contre toi. Mais tu as de la valeur. Que ces paroles vous fortifient ce soir. Et n'oubliez pas de proclamer. N'oubliez pas que Dieu vous a donné un pouvoir pour vous-même dans la bouche. Ce que le prophète fait pour toi, ce que le pasteur fait pour toi, ce qu'un homme de Dieu fait pour toi,
tu peux commencer à le faire toi-même dans ta vie d'abord. Il faut auto-proclamer sur ta vie. Faut faire ton auto-délivrance. Il faut être ton premier prophète avant que Dieu te présente un prophète. Il faut être toi-même ton premier pasteur avant que Dieu te montre un pasteur. Il faut être la première personne qui va croire en toi, première personne qui va déclarer des bonnes choses pour toi. Regarde aussi tes enfants, ceux que tu aimes autour de toi. Ne regarde pas seulement les côtés négatifs. Il faut penser du bien, du positif pour ton fils qui n'est pas bon. Il va devenir bon un jour. Pense du positif pour ta fille qui n'est pas bonne. Pense du positif pour la personne qui te fait souffrir à la maison. Proclame, deux fois dit. Si la personne même est méchante, mais tu aimes la personne, dis, elle est gentille. Son histoire change. C'est la personne la plus merveilleuse de la maison. Parce que c'est ce que tu souhaites. Ça va arriver. Or, ce soir, je vais proclamer sur vos vies. Dites-moi Amen. Je proclame dans la vie de cette personne qui est en train de m'écouter. Je suis en train de proclamer que la main de Dieu est tendue vers toi pour t'élever. Je suis en train de proclamer la prospérité, la restauration dans ta vie. Je ne crois pas à ta pauvreté, je crois à ta richesse. Je ne crois pas à ta mort, je crois à ta vie qui se multiplie. Je ne crois pas à ta misère, je crois à ta prospérité. Je crois que tu es béni et je déclare que tu es béni. C'est pourquoi tu dis Amen pour posséder et recevoir cette parole. Je crois que les anges de l'Éternel t'aiment, ils sont autour de toi, ils t'accompagnent partout. Je crois que tu as des dons spirituels qui vont se multiplier très fort dans ta vie. Je crois que l'élévation est dans ta vie. Et je crois que tes ennemis sont confondus et resteront toujours confondus. Je crois que Dieu prépare de très bonnes choses pour toi. Je crois que l'Esprit de Dieu est en ta faveur. Je crois que le ciel est ouvert grandement pour ta bénédiction. Et je crois qu'il y a une pluie de grâce, de bénédiction, d'élévation dans ta vie. Si tu crois à ces paroles, dis Amen. Et répète après moi, ma vie est une vie bénie. Ma vie est restaurée. Je suis né pour être béni. Je suis né pour être prospère. Aucune malédiction, aucun échec, aucun blocage ne peut demeurer dans ma vie. Déclare, je suis au-dessus de mes ennemis. Déclare, je suis au-dessus de toute destruction. Dis, la gloire m'appartient. L'élévation m'appartient. La prospérité m'appartient. Dis, l'Éternel est ma force. Dis, mon départ est béni, mon aller est béni. Que 1 000 tombent à mes côtés, que 10 000 tombent à ma droite, je ne suis jamais atteint. Dis, l'Éternel est mon berger. Rien ne me manque. Rien ne manque ma maison. Rien ne manque ma vie. Répète, mes projets se réalisent. Répète, mes projets et mes rêves se réalisent. Répète, j'ai la victoire. Répète, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Si Dieu permet, dans la semaine, nous allons vivre un moment prophétique. Si tu crois que tu es béni,
Dis Amen et continue de partager ce direct. Je vais dire encore pour terminer ce direct, il y a beaucoup de personnes qui souffrent encore actuellement parce que ces personnes pensent seulement au négatif. Quand elles se lèvent le matin, pensent aux gens qui sont contre elles. Les gens sont contre moi. Il y a trop de gens qui sont contre moi. Le banquier ne veut pas donner mon argent. Je n'aurai jamais mon argent. Je vais mourir pauvre. Il y a ceci, cela. Ça dit que leur vie, leur pensée, ça les rend malades. Ça les coupe l'appétit. Ça les empêche de dormir. Mais il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment s'asseoir et puis détruire leur vie. C'est comme s'ils prennent un couteau avec leur pensée. Ils prennent un couteau avec leur parole. Et ils se tuent. Je suis maudit. Je ne vais jamais avancer. Cette maladie-là va me tuer. Oh, mon argent, ils ne veulent pas me donner mon argent. Ils ne vont jamais me donner. Il y a trop de personnes mauvaises autour de moi. Les gens ne m'aiment pas. Je ne suis jamais aimé. Ils sont là. Ils ne peuvent même pas penser un jour pour dire, je suis béni. Ce banquier donnera mon argent. Je suis béni. Je suis riche. Je n'ai pas d'ennemis. Ceux qui sont contre moi vont se manger entre eux-mêmes. Je suis béni. De sortir avec le sourire dans le cœur, dans la joie. Il y a des gens qui vivent dans ce monde comme s'ils ont créé leur propre prison, leur propre calvaire. Ils sont dans leur souffrance, ça les rend malades. Mais ils sont dans cette souffrance, ils ne veulent pas sortir de là. C'est comme une bulle. Tant qu'ils ne se cachent pas chez eux pour souffrir, ils ne se sentent pas vivre. Que Dieu vous délivre. Que Dieu vous délivre. Parce que vous êtes votre premier ennemi avant qu'il y ait des ennemis dans votre vie. Donnez-vous de l'amour à vous-même, la force à vous-même, la foi que vous êtes béni. Prononcez ça, même si c'est difficile. Vivez-le et vous verrez les choses s'accomplir. Oh, ils ne vont pas me donner cet argent, ça ne va jamais venir. Oh, mes projets ne vont jamais avancer. Oh, je suis fatigué. Oh, je ne vais jamais ceci. Ces paroles vont te servir à quoi? Rien du tout. Ça ne changera rien. Au contraire, ça va t'enfoncer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là ce soir. C'était juste un partage, un moment d'exhortation. J'espère que ça vous a fait du bien. Partagez pour vos frères et sœurs. Et puis nous nous retrouvons dans la semaine. Je ne peux pas vous dire précisément quand. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. En tout cas, tant que je peux venir vers vous, je viendrai pour qu'on partage quelque chose, pour vivre un moment prophétique. Sois béni, mon fils Mass. J'espère que ça se passe là-bas avec ta femme, ça se passe bien. Que Dieu vous bénisse. Et soyez tous bénis, tous bénis. Shalom. Jésus est un gloire. Anangaman gloire. Baba, for some for me so, for a well some amio. Who come here, Jesus? Jesus, who come here? From me, Anangaman, Benigle, Nana for some for me so. Jésus Nkloa o, Jésus Nkloa o, for our mamia o, anangama malache. Je voulais couper le direct, mais je sens un désir de prier. Je ne sais pas pourquoi l'esprit m'amène dans un moment de dévotion. Mais je pense que la prière fera du bien à quelqu'un. Permettez-moi de chanter en langue et je vais prier. Riababa sandele paushet. Ekama yalakatu lamasakarabashi. Narababashi kabasobosha.
Ekarabashi baba sunda. Marabashi bereteja. Ikarabalashi molosa. Ah, je sens que l'Esprit de Dieu est en train de briser les chaînes. J'avais voulu arrêter le direct, mais l'Esprit de Dieu m'amène à prier. Je pense que beaucoup de personnes avaient besoin de ces paroles qui sont sorties. Et l'Esprit de Dieu veut utiliser ces paroles pour briser les chaînes de la servitude. Et je vais m'adresser à cette femme-là. Et arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Oh. Et arrête de pleurer. Tu n'es pas seule. Yeah. Je vais dire à cette femme-là d'arrêter de pleurer. Je vais dire à cette femme, tu m'entends, d'arrêter de pleurer. C'est vrai. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant autour de toi. Tu te sens seul dans tes épreuves. Ta santé, ce n'est pas ça. Les finances, ce n'est pas ça. Tu as l'impression que tu as bousillé toute ta vie. Tu as l'impression que de toute ta vie, tu n'as rien fait. Tu as beaucoup aidé les gens, mais personne ne t'a aidé. Deux fois, tu vois la mort, tu penses à la mort et tu te dis, oh, je vais finir misérable, je vais finir pauvre, je vais finir malheureux. Tu regardes la méchanceté des gens parce que personne ne te tend la main. Au contraire, tu as tendu la main à beaucoup de personnes qui ont profité et qui, en retour, t'ont donné de la haine. Mais je vois une main sur ton épaule. Je vois cette main qui scintille, cette main qui brille. Je vois cette main qui est comme du feu, qui est comme une lumière qui est sur ton épaule. Et j'entends cette voix qui te dit, mon enfant, sois fortifié. Ma fille, sois fortifiée. Ma fille, je suis avec toi. Ma fille, je suis avec toi. J'ai vu quand on t'a délaissé. J'ai été témoin de toutes ces trahisons. Mais je ne t'ai pas laissé tomber. Je suis là. Et je changerai ta destinée. Je suis en train de voir aussi cette femme-là. Et je veux l'encourager. Tu as fait confiance à une personne. Tu as vécu avec un homme, il t'a délaissé. Je vois la personne même prendre ses affaires pour partir. Tu as été victime de trahison. Aujourd'hui, toi qui croyais que tu étais marié, toi qui croyais que tu avais un homme dans ta vie, te voici tout seul. Tu dois recommencer ta vie. Mais quand tu regardes ton âge, tu te dis, oh, est-ce que je peux reprendre les choses à zéro encore? Il ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Et t'as pas oublié, oh. Hey. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Il t'a pas délaissé, il t'a pas oublié. Arrête de pleurer parce que ton histoire va changer. Oui, ton histoire va changer. Oh, je ressens ce fardeau de prier pour les enfants de Dieu ce soir. Beaucoup de personnes ont perdu la foi, le courage a diminué, l'espérance a diminué, parce que la souffrance était trop, les épreuves étaient trop. Je vais élever donc ma voix, prier l'Esprit de Dieu, de localiser toutes les personnes qui ont besoin de la force de Dieu en ce moment. Car il est écrit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a chargé d'annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, décharge tes enfants. Seigneur, décharge tes enfants. Il y a des choses qu'aucun homme ne peut faire pour nous. Toi seul peux le faire. Décharge tes enfants. Je vais prier pour tous ceux qui ont des besoins d'argent, tous ceux qui sont dans des épreuves financières.
Épreuve financière, c'est presque un cancer. C'est presque un cancer. Quand tu as besoin d'argent pour accomplir des choses que tu ne peux pas, c'est plus qu'une maladie dans la vie de quelqu'un. Je prie que le Seigneur ait pitié de toi, qu'il te restaure. Ceux qui cherchent du travail, que Dieu vous donne ce travail maintenant. Je veux aussi me concentrer sur toutes les femmes qui sont déjà fiancées, qui désirent le mariage, et toutes celles qui ne sont pas encore fiancées, qui n'ont pas encore connu l'homme de leur vie. Le Seigneur intervienne pour vous. Je veux que ce mariage se réalise. Je veux que cette vie de couple se réalise. Que Dieu enlève le mauvais de ton chemin et qu'il te donne le bon. Au nom de Jésus, je veux me souvenir de ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter, qui font des fausses couches, qui sont stériles, qui ont des fibromes qui empêchent les grossesses. Que la main de Dieu soit sur toi pour t'accorder la guérison et la restauration. Maintenant, tu es guéri. Je veux dire merci au Saint-Esprit. Il y a des prières que je ne peux pas faire ce soir, mais l'Esprit de Dieu sait et connaît le besoin de toute personne qui sera connectée. Que le Seigneur agisse en ta faveur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, bien-aimé, vous êtes exaucé, vous êtes béni, bien-aimé, j'ai la foi que tout ce que nous avons demandé au Seigneur, il a fait. Bien-aimé, je suis convaincu que toutes les bénédictions que nous avons reçues ce soir sont scellées et tes ennemis eux-mêmes rendront témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a une femme qui m'écoute ici, mon direct est fini. Hein. Il y a une femme qui m'écoute, tu veux te marier. Tu es déjà fiancé. Ton mari et toi, vous pensez au mariage, mais il y a un blocage, il y a un empêchement. Et Dieu est en train de me dire que du côté du mari, du côté du mari, il y a des choses qui sont en train de faire, des incantations, de la sorcellerie qui est en train d'être faite pour vouloir empêcher votre mariage et votre union. Il y a une jalousie de votre couple au niveau de l'homme. Mais pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu dira à cette personne-là qu'il s'agit d'elle et la main du Seigneur est sur toi. À cause de cette parole que j'ai déclarée, tout ce qu'ils sont en train de faire échoue. Le Seigneur t'ouvre maintenant de nouvelles portes. La force que ton mari n'avait pas, Dieu lui donne maintenant. Le courage qu'il n'avait pas, Dieu lui donne. Les moyens qu'il n'avait pas, Dieu lui donne. Et je déclare que ce mariage aura lieu et tes ennemis seront dans la confusion. La personne est là, elle est là, elle m'écoute. C'est juste que je ne vais pas appeler quelqu'un, je ne veux pas que quelqu'un m'appelle. Et la personne va se reconnaître dans cette parole. La personne n'est pas obligée de témoigner pour dire moi, parce que ça, ce sont des choses privées et cachées. Mais que Dieu bénisse cette personne. Tu peux, si tu veux, m'appeler en inbox, ou bien non, juste m'envoyer un message. Parce que j'aime pas qu'on m'appelle sans m'envoyer d'avance un message. C'est moi qui écoute le message et puis je te dis tu m'appelles ou je t'appelle. D'accord? Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, bonne soirée à vous.